Bonsoir à tous. Le repli identitaire et le tribalisme prennent une ampleur inquiétante au Cameroun, en Afrique et dans le reste du monde. Des acteurs politiques, des élites et dirigeants surfent sur la fibre tribale pour exprimer des frustrations, poser des revendications et manœuvrer en vue de mettre hors jeu des adversaires politiques dans un contexte où les principes de la démocratie sont loin d'être respectés. Dans la saga des émissions consacrées à un pan de l'histoire sociopolitique du Cameroun, l'anthropologue, écrivain et homme politique François de Borgia, Marie Evembe, dévoile en exclusivité des dossiers d'État jusqu'ici classés confidentiels et top secret au Cameroun. Il évoque l'autre visage de ce pays situé en Afrique centrale et l'histoire du continent africain. Il est l'invité pour la troisième fois sur Equinox Télévision. François de Borgia, Marie Evembe, bonsoir. Bonsoir, monsieur Cédric. Merci d'avoir accepté cette invitation pour une troisième partie consacrée à l'histoire du Cameroun et également du continent africain. Pour mener à bien cet entretien, je suis en compagnie de Jonathan Babila. Jonathan, good evening. Bonsoir, Cédric. Thanks, dear viewers, for joining us on this edition of La Vérité en face on Equinox Television. Good evening, sir. Good evening. Thanks for joining us today. Et juste après vous, il y a également Duval Fangoua. Duval, bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir à l'invité François de Borgia, Marie Evembe. Merci. Et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. François de Borgia, Marie Evembe, durant les deux premières émissions à forte audience que nous avons réalisées, vous avez évoqué une pièce maîtresse dans le système de gouvernance mis en place par le président Ahmadou Ahidjo et les premières années de gouvernance du président Paul Biya. Il s'agit de François Senghor. Quel rôle il a joué concrètement? Comment s'est-il retrouvé au cœur du pouvoir Ahidjo et du pouvoir Biya? François Senghor est un diplomate. Je crois qu'il devait avoir. Il devait faire partie de la hiérarchie de la diplomatie française. Il était ministre plénipotentiaire. Et au début de nos indépendances africaines, quand le président Ahidjo le trouve, il le prend comme une perle rare et il le met à côté de lui. Toute la vie publique de Senghor s'est passée à côté du président Ahidjo. Les autres devenaient des présidents d'assemblée, des PDG, des ministres d'État. Senghor était toujours à côté d'Ahidjo, ministre chargé de mission. Mais comment il arrive à côté d'Ahidjo? On peut penser que la famille Kouo, à quoi? Le Douala a fait quelque chose pour que François arrive à la présidence. Parce qu'à cette époque-là, il y avait Toby Kouo, qui était directeur de cabinet du président Ahidjo. C'est peut-être par Toby Kouo que Senghor est arrivé au palais. What could he have done for him to find himself there? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Il faudrait qu'on soit avec un membre de la famille pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé. But you were a close aide of Singapore. You were a close aide working with him and you worked with him for several years. Je vais vous dire. Bon, François Senghor est un aîné, un très grand aîné. Je me suis retrouvé avec lui dans l'association des poètes et écrivains camerounais, L'APEC. l'APEC, créée par un certain William Aurélien Et Etteki Mbouma, qui fut ministre de l'Éducation et qui fut le patron, le premier patron de qui vous savez, c'est-à-dire l'actuel président de la République. l'actuel président de la République. Et quand il crée l'APEC, c'est sur concours, parce que à l'indépendance, on avait lancé un concours pour que les écrivains, les artistes, etc., puissent s'exprimer et glorifier ce qui était en train de se passer. Le mettre sur le compte de Monsieur Biya, pardon, de Monsieur Ahidjo.
Alors, on crée, j'étais le Benjamin, à l'époque, j'étais le Benjamin de l'association des poètes écrivains camerounais. Vous avez entendu parler de Poukan Bagay? Non. René Philombe? René Philombe. Epagna et Lolongue? Non. Vondo II? Certainement non. Mais c'est les neuf qui ont créé l'APEC. Et c'est là où nous nous sommes retrouvés avec François Senga Kouo, qui lui-même était un grand poète. François était un grand poète. Mais par la suite, je me suis retrouvé avec François alors que j'étais journaliste et alors que je venais de sortir mon premier livre qui a été primé par l'Association des écrivains de langue française, une sorte de d'agence de l'Académie française pour les Africains, n'est-ce pas? Quand vous aviez bien écrit, on vous donnait un prix. Et je suis le troisième à avoir eu le prix de l'appel de l'Association des poètes, des écrivains et poètes français. François m'a beaucoup félicité à cette époque. J'étais un garçon, un bambin. J'étais un bambin. On s'est connus là. Et par la suite, on s'est connus dans la politique parce que j'ai été directeur régional de l'Agence camerounaise de presse pendant 7 ans à Douala. On s'est retrouvés en train d'organiser le congrès de la maturité qui s'était passé ici à Douala. Et c'est François qui était le grand maître de cette œuvre. All along, he didn't tell you anything about how he fought his way through to the presidency of the Republic. On va y arriver. Pour le moment, je voudrais faire un peu l'historique de François Senga Kouo. François s'occupait de tout à la présidence de la République, de tout qui était pensé, de tout qui était écrit, de tout qui était, comment est-ce que je peux dire ça, balisé. De tout ce qui était balisé, c'était François Senga Kouo. Il a commencé par dire à Idjo, on va faire du pragmatisme. Parce que les Français nous avaient laissé un pays sans boussole. Vous vous souvenez de du fameux livre de René Dumont. L'Afrique noire est mal partie. L'Afrique noire est mal partie. Alors François a dit, pour qu'on ne soit pas trop mal parti, on va d'abord faire du pragmatisme. C'était déjà un concept. Et quel était le contenu de ce concept à ce moment-là? C'est-à-dire que le gouvernement camerounais, le nouveau gouvernement camerounais, devait gérer les choses à la suite de l'administration française, sans trop de casse. Souvenez-vous qu'il y a eu la fameuse réunion des nouveaux chefs d'État en 63, il y a eu le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. Les uns étaient pour qu'on casse, les autres étaient pour qu'on aille doucement. C'est ce qu'on. Les Aïdjo étaient pour qu'on aille doucement. Ça, c'est dans le sillage de la mise en place de l'OUA. Avant même. Ok. Avant même. Il y a eu les révoltés, qu'on appelait les révolutionnaires, les gens comme Nkrumah, les Sékou Touré et les autres, ils voulaient qu'on coupe les ponts avec le colon, avec le pouvoir colonial. Ils voulaient. Et les autres disaient, si on coupe les ponts, qu'est-ce qu'on va devenir? On ne maîtrisait rien. C'est le deuxième groupe qui était le groupe de Aïdjo et que Senga Kouo devait manager. Vous comprenez maintenant? Il est donc resté là. Et est parti, enfin, ce que j'ai appelé les sauts de kangourou, de degré en degré, dans la formulation des concepts. Le pragmatisme, après le pragmatisme, il est arrivé au libéralisme planifié, après le libéralisme planifié qui a été dévié sur le développement auto-centré, que très vite les Camerounais ont appelé le développement auto-ventré. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis cette époque-là. Et à ce moment précis, François de Borgia, pourquoi il y a cette perception des Camerounais
sur un développement auto-centré, alors que le gouvernement misait sur une stratégie auto-centrée. Les gens voulaient être riches, prospères. Ils voulaient plus, ils pensaient qu'en étant riches, en étant prospères, ils allaient devenir comme des blancs. Si vous lisez mon premier livre, Sur la Terre en passant, j'ai stigmatisé ça. C'est ça qui m'a créé des ennuis dans l'administration camerounaise. Pour eux, il fallait s'occuper de l'individu. Et l'individu, c'était l'argent. Le blanc nous a créé un dieu là, l'argent. Et chacun voulait avoir ce dieu pour lui. C'est pour ça qu'on a dit, au lieu de développement auto-centré, c'est-à-dire on mobilise toute la communauté pour qu'elle fasse le développement, non, on dit non. C'est auto-ventré. Chacun doit s'occuper de son ventre et devenir riche. J'ai l'impression que c'est ce qui se poursuit encore aujourd'hui. Quels sont les éléments qui vous permettent de le percevoir dans la société Mais camerounaise actuelle? c'est là. À l'école, dernièrement, il y a eu ce qu'on appelle l'eau, non? L'eau a coulé. Ce n'est pas la corruption. La corruption, aujourd'hui, est la manifestation du développement auto-ventré. Les gens ont conservé ça. Quand on prend 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 10 milliards, c'est quoi? C'est pour soi, ce n'est pas pour le public, ce n'est pas pour le peuple. Mais François de Borgia, Marie Oui. Bébé, donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que François Senghacourt était un peu comme le maître à penser. Pas comme. C'était le maître à penser. C'était le maître. C'est-à-dire qu'au moment où on accède à l'indépendance, il y a une idéologie, il y a une orientation idéologique que le président Ahidjo veut mettre en place à partir de, je veux dire, sur la base À de partir de ce. l'héritage des Français. Voilà. Et donc c'est lui qui doit penser le concept qui permet effectivement au président Ahidjo de s'arrimer à cette exigence-là et de pouvoir garder, je veux dire quoi, de pouvoir conduire le pays selon sa propre politique. Et ça vous explique le fait qu'au moment où le président Ahidjo décide de rompre définitivement avec la France pour faire du Cameroun un pays moderne et un grand pays, il rappelle Senghacourt, qui était sur le trottoir depuis 3 ans. Parce qu'il lui fallait un cerveau pour piloter je dirais cet arrachement. Souvenez-vous, Aïdjo avait dit, il est le De Gaulle camerounais. Il avait dit ça. Et il l'avait dit en France, il est le De Gaulle camerounais. C'est-à-dire, il est tellement nationaliste qu'il doit penser d'abord à son pays. Mais il le faisait doucement parce qu'il connaissait la mainmise de la France sur l'Afrique et sur le Cameroun. Il voulait pas qu'il nous arrive ce qui était arrivé à la Guinée de Sékou Touré. Parce que Sékou Touré a dit, je suis indépendant, je vais gérer mon indépendance Il en a dit non tenir. à la communauté. Oui. Mais qu'est-ce qu'on a fait? La France a fait des. C'est un peu comme au Zimbabwe, là. La France a fait des billets. Hein, oui. On a inondé la Guinée d'argent. Et ça a été la faillite. On a failli faire ça à Mugabe. Bon, heureusement que Mugabe, c'était pas assez couturé. Alors, quand vous dites que le président Ahidjo l'a rappelé alors qu'il était sur le trottoir, ça veut dire qu'il y avait au moins de friction avec le président Ahidjo. Il avait dit à Ahidjo, permettez que moi je vous dise la vérité, même si elle blesse. Même si elle va vous blesser. Parce que si un chef d'État ne connaît pas la vérité du développement, de l'état d'esprit de ses populations, c'est pas la peine. Et ça plaisait pas au président Ahidjo, c'est ça? Non, ils ont fait un pacte. C'est la raison pour laquelle Senghor n'est jamais sorti de l'ère du pouvoir central. Jamais. Il a demandé à Ahidjo, après le congrès de Bafoussam, avant le congrès de Bafoussam de 80, il a dit, ça ne va plus comme avant. Il faut changer l'équipe. Il faut que les jeunes montent. Il faut préparer la relève. Parce que là, vraiment,
C'est devenu le clientélisme. Aïdjo n'a pas apprécié. C'est de là qu'est venue la, une rupture profonde. Pas profonde. Pas profonde. Puisqu'il l'a rappelé après. Et si elle était profonde, bon, je suis persuadé que Senga serait rentré, serait allé en France. Il avait une femme, une épouse américaine. Il serait parti là-bas. Et le frère, je vais vous le révéler, le frère de cette épouse, c'est-à-dire son beau-frère, le beau-frère Senga, travaille à la Banque mondiale. Si Senga voulait s'expatrier, il l'aurait fait sans problème. Mais il était lui aussi un national. Vous savez qu'il était à l'UNEC, hein, l'Union des nationaux des étudiants camerounais, avec K, Camerounais avec K, en France. Donc, il était entre l'UPC et le Béni, oui, de l'administration française. Mais pourtant, sur le terrain, on voyait bien comment le régime Aïdjo pourchassait les nationalistes UPCistes dans les différents bastions où ils étaient, que ce soit dans la région de l'Ouest ou la Sanaga maritime ou dans d'autres parties du Cameroun. Est-ce que cette politique-là contre ces nationalistes UPCistes était assumée au sommet de l'État? Aïdjo voulait que tout ce qui était dans le maquis ait une vie normale, politique normale. C'est ce qu'il voulait. Mais il y a des gens comme les Wandiers, des gens comme les, qui estimaient que les Français avaient confisqué la révolution. On a égorgé des gens, on a tué des gens. Les Maïmatip qui étaient dans le maquis ont vu leur grand frère, les Oumniobet, assassinés dans la forêt. Les Moumiers ont été, ils se sont sentis menacés, ils sont partis. Il y a eu ceux qui sont partis au Caire, d'autres qui sont partis en Algérie, d'autres qui sont partis en Guinée. Le maquis, qui était un pan de l'histoire révolutionnaire des nationalistes, des patriotes, des africanistes, a été décimé. Ceux qui sont restés dans le pays Bassa, on a infiltré. Ceux qui sont restés en pays Bamileke, vous avez eu quelqu'un là-bas qui a laissé un grand nom, un Baham. Qui était le secrétaire à la défense d'Aïdjo, Kame Samuel. Au même moment où des gens de Baham étaient dans le maquis, les Momo, les autres photos. Donc, le pouvoir en place a géré les deux situations. Aïdjo a voulu que tout le monde rentre et tout le monde participe. Même si c'est les Français qui nous avaient octroyé l'indépendance, que tout le monde participe au développement du pays. I want to know something. Earlier, you said that the government put in place a development strategy, and some people thwarted that strategy with personal interests. I want to know, who are those people who put Cameroon on the path to where it is today? Who are those people? Je n'ai pas une nomenclature, c'est-à-dire des noms, que je puisse vous dire qui a fait quoi, qui a dit quoi et qui a bifurqué. Je ne peux pas. Mais vous avez les grands noms de l'histoire politique du Cameroun qu'on peut indexer. Il y a eu, je vous avais dit ça dernièrement, il y a eu une démocratie aïdjoïenne ici. Les Ocala, Charles. Ocala était un grand diplomate. Hein. Il a été ministre des Relations extérieures. Il y a eu Lembida, qui a été le premier ministre, n'est-ce pas, au Cameroun, le BDC. Il y a eu les bébés, ici, à Douala. Il y a eu plein d'hommes politiques qui sont venus avec Aïdjo. À partir de...
vous connaissez l'histoire de la réunification avec les Fontia, les Mouna, etc. Il y a donc eu une population intellectuelle et politique qui s'est ralliée à Idjo. Mais d'autres ont estimé que, comme ça se faisait sous la coupole de la France, c'était une mauvaise indépendance, c'était une mauvaise souveraineté. On n'irait nulle part avec ça. C'est pourquoi je voudrais insister sur la question que Cédric a posée tout à l'heure. Mm-hmm. Parce que lorsqu'on regarde les conditions dans lesquelles le président Idjo accède au pouvoir, il y a une thèse selon laquelle les Français ont préféré le président Idjo parce qu'il était beaucoup plus obéissant, à la différence d'André-Marie Bida, qu'on ne maîtrisait pas très bien. Et c'est la raison pour laquelle, dit-on, il a été débarqué au profit du président Aïdjo. Alors, sur la question de la lutte post-indépendance, est-ce que le président Aïdjo le faisait de son propre chef ou il était dans le sillage de la politique néocoloniale post-indépendance? Vous savez que la France avait une structure qui a d'ailleurs continué. On appelle ça la France-Afrique. Hein, avait une structure pour s'occuper de l'Afrique. Et là, il fallait qu'on sache qui est pour qui veut faire quoi. Ce que j'appelais tout à l'heure la nomenclature, les noms. Et les noms, on a surfé avec les noms. Je vais vous faire une toute petite révélation. Les gens pensent que la France voulait absolument nous maintenir sous sa dépendance. Je suis arrivé à la politique comment? À 18 ans. Je vous ai parlé de Bikanda. Bikanda était le directeur du personnel. On dit aujourd'hui directeur des ressources humaines, n'est-ce pas? Du temps des hauts commissaires, c'est le seul Camerounais qui avait ce poste-là, l'équivalent du ministre de la fonction publique. Et les Français se sentaient beaucoup plus à l'aise avec lui qu'avec Aïdjo. Mais comme à l'époque, il fallait passer par l'Assemblée nationale, on a demandé, les Français ont conseillé à Bikanda d'aller aux élections. Il y a eu des élections partielles à Kribi. Parce que c'est Nguyenge Eli Lavater qui avait passé le cap. Mais comme il était UPCiste, on a trouvé qu'il y avait eu fraude. On a renvoyé les gens à l'élection. Et on s'est permis à Bikanda d'être candidat à Kribi. C'est comme ça que j'ai connu Bikanda. Parce que les Français voulaient le mettre à la place d'Aïdjo. Parce que si Bikanda entrait à l'Assemblée nationale, il y aurait une majorité pour en faire le premier ministre de l'ALCAM. Vous voyez? Donc, Aïdjo, ce n'est pas tellement parce que Aïdjo était Aïdjo. C'est simplement parce que la France voulait quand même quelqu'un qui connaisse. Plus avenant. Oui, et qui connaisse l'administration, qui puisse conduire le pays à partir des données plus fiables. Et donc, au lendemain des indépendances, le président Aïdjo va continuer à diriger le pays selon une orientation qui lui est un tout petit peu soufflée par la France. Oui. Mais comment expliquez-vous? Parce que là, il y a eu à un moment donné une sorte de contre-exemple. Je ne sais pas si on va appeler ça comme ça. Vous vous souvenez de la guerre de sécession au Nigeria avec le Biafra? On a eu le sentiment justement là-bas que Aïdjo a pris une position qui était contraire à la position de la France dans la guerre du Biafra. Oui, parce qu'Aïdjo savait que s'il ne s'oppose pas à cette guerre, c'est tout le sud et le nord-ouest. Non, enfin, c'est le sud anglophone et le septentrion anglophone qui vont prendre feu. Donc, en réalité, il ne s'agissait pas d'affirmer une certaine autonomie vis-à-vis de la France.
Il s'agissait de De préserver. Une question géostratégique. Oui, oui, c'était pour préserver son pouvoir à lui et son Cameroun à lui. Parce que je vous ai dit, il y a eu quelque chose au sein des Nations Unies. On a voulu que le Nord aille chez les Haoussa et les musulmans. Parce qu'ils sont Haoussa et musulmans. Haoussa entre guillemets. Et au Sud, c'est des chrétiens anglophones. Et qu'ils viennent avec le pays francophone qui est chrétien. Voilà comment l'ONU a partagé l'ancien Cameroun. Mais si Aïdjo permettait que Odoumédou Odjoukou devienne un pays, le Biafra, devienne indépendant, ça aurait donné de mauvaises... Oui, ça veut dire que quelquefois, quand même, le président Aïdjo avait des coudées franches sur un certain nombre de questions. Il aurait pu user de la même autonomie pour gérer les velléités, pour gérer les violences qui étaient orchestrées par... Vous oubliez le pétrole. Vous oubliez le pétrole, parce que le Biafra, c'est le pétrole. Là où maintenant il y a des plateformes tout le long de la mer, là, si vous arrivez à Kribi, c'est la dorsale du Fako, sur les versants desquels, offshore et onshore, il y a du pétrole. Si M. Odoumédou Odjoukou créait le Biafra, il prenait tout le pétrole qui est de ce côté-là. Et il aurait eu des problèmes avec Gowon, c'est-à-dire avec le Nigeria. C'est la raison pour laquelle cette fois-là, il a joué le rôle de chef d'État. Il a dit, pour l'intérêt de ce pays, moi je ne veux pas de guerre au Biafra. Je ne peux pas soutenir le... Ça vous fait une leçon. Vous voulez faire une sécession, il faut assurer vos arrières. L'Ambazonie, là, il faut qu'il s'appuie sur une base arrière. Vous voulez faire une sécession quelque part, assurez-vous que vous avez une base arrière. Odjoukou aurait pu avoir comme base arrière le Cameroun. Et il a dit non. Ça va lui créer des problèmes pour plus tard. Quand je dis lui, c'est le Cameroun pour plus tard. Vous avez donc là, on a donc découvert là un homme d'État. Un homme d'État, c'est pas parce que on est dans le protocole d'État qu'on est un homme d'État. Justement, François de Borgia-Marie et Vembe, sur cette notion d'homme d'État et président de la République, qu'est-ce qui différencie ces deux concepts et est-ce que vous le percevez à travers les actes posés par l'actuel président de la République du Cameroun? Oh, je ne peux pas juger mon grand frère. Paul, qui a tout dit là? C'est mon grand frère. Lui, il aime le protocole d'État. Mais est-ce que parce qu'il aime le protocole d'État, vous avez dit qu'il n'est pas un chef d'État? Il est chef d'État depuis 36 ans. Who is his statesman? Who is his statesman? Can you just tell us who is his statesman and then we'll be able to know? L'homme d'État, je vais vous donner deux exemples. En France. Ou même en Grande-Bretagne. L'homme d'État, c'est Cameroun. Il y a eu un premier ministre. David Cameron. Oui. Homme d'État. Il a géré tous les miasmes de la politique britannique à l'intérieur comme à l'extérieur. Il a assumé. L'autre qui vient de partir, c'était qui? Madame May, Theresa May. Theresa May. Voilà une femme d'État. Elle dit, ma politique pour le pays, pour les Anglais, c'est ça. Il a conduit cette politique jusqu'au moment où il s'est rendu compte que, en fait, il n'incarnait plus ce que les Britanniques attendaient du gouvernement. Il est parti. Aujourd'hui, c'est Johnson. Boris Johnson. Oui. Et sur le continent africain? Sur le continent africain. Mais prenez le cas des anglophones, des pays anglophones. Qu'est-ce qui s'est passé au Ghana? Le pouvoir était entre les civils, entre les mains des civils. Il y a eu des ordres.
Chacun voulait rester là. On ne reste pas au pouvoir, on ne s'éternise pas au pouvoir. Qui veut, mais qui peut? Généralement, les civils, ils ont ça dans la tête. Il faut qu'ils puissent s'éterniser au pouvoir. Mais quand il y a des règles de gouvernance, vous respectez les règles. Au temps de Jerry Rawlings, les civils n'ont pas voulu respecter les règles. Jerry est venu dire, écoutez, c'est quand même le Ghana, non? Faisons attention parce que c'est le pays, c'est les Ghanéens. Bon, moi je vais vous mettre d'accord. Il a pris le pouvoir. Il a mis un certain temps, il est parti. Et c'est un homme d'État? Ça, c'est un homme d'État. Il y a un autre qui est dans la chanson d'un Camerounais, là, Kérékou. Hein? Mathieu. Mathieu Kérékou, il a fait la même chose. Quand il a vu que non, il n'incarnait plus l'anxiété du peuple, etc., il a dit, bon, moi, je laisse, je pars. Et puis il est revenu. Il est revenu parce que les gens se sont rendus compte que c'était le meilleur parmi tous les gens. Donc, l'homme d'État, je crois avoir dit ça la dernière fois, il incarne. J'ai faim. Il doit savoir que M. Noufélé, là où il se trouve là-bas, a certainement faim parce qu'il n'arrive pas à acheter de quoi manger. Que M. Evembe, là où il se trouve, il n'arrive pas à bien dormir parce qu'il n'a pas les moyens de bien dormir, de bien manger avant de dormir. Ça, c'est l'homme d'État. Il n'est pas là pour lui. Il est là pour incarner une population dont il est le guide. Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce que c'est sur la base de ces critères que François Senghor a décidé de travailler désormais pour le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya? François n'a pas décidé de travailler pour Paul Biya. Ahidjo a eu des problèmes, je vous l'ai dit, avec Mitterrand. Mitterrand ne voulait pas le sentir. Et Mitterrand l'avait condamné à la mort politique quand il est devenu président de la France. Quand Ahidjo voit ça, il se dit, c'est peut-être le moment, c'est moi qui interprète, c'est peut-être le moment de rompre avec la France, okay. Définitivement. De rompre. Mais comment le faire? Il consulte. Et certainement, il y a quelque chose qui a germé dans son esprit. Faire une stratégie qui fasse du Cameroun un pays moderne, un grand pays, comme il le voulait, il le souhaitait depuis toujours. Mais c'est délicat de mener une guerre politique et diplomatique avec la France, c'est délicat. Il lui faut donc un cerveau qui soit capable de l'aider à mener cette stratégie. So he brought Singapore close to him by constraints, is that what you're saying? Oui. Okay, now, looking at what you've just said now, and what the head of state, the president of Cameroon, has been doing over the years. I know that earlier you said that you don't want to judge your elder brother, but I wanted to say something in this aspect. Looking at what he has been doing and what you just said now, what qualifies a state man, at least if there is nothing that we can attribute to him, we'll attribute to him the Bakassi Peninsula victory. Without bloodshed, he obtained Bakassi for Cameroon. Now, looking at how he managed that incident, looking at how he has been managing the socio-economic problems of Cameroonians, looking at how he has been managing the security issues in Cameroon, the Anglophone crisis and all whatnot, can we say that he's a statesman? C'est difficile à donner une réponse à ça. Parce que vous me permettrez de revenir au départ de la gouvernance de Biya. Je vous disais, Ahidjo avait décidé de rompre. Mais comme en même temps, à l'intérieur, le Singapour lui disait, il faut préparer la relève.
Il s'est dit, ok, je rappelle Singa parce que je le connais. C'est un sphinx. C'est plein là-dedans. Lui, il peut m'aider à conduire une stratégie pour rompre avec la France. Et curieusement, il y a un petit bonhomme qui s'appelle François Borgia-Marie Evembe que Aïdjo a couvé. Ça, je dois le reconnaître. Chaque fois que l'administration camerounaise ou les Camerounais ont voulu ma peau, Aïdjo m'a. Il m'a Protégé. non seulement protégé, la preuve, en 68, il m'a envoyé chez Senghor. Mais ça me dit qu'il m'envoie dans un exil doré chez son frère et ami, puisque j'étais une grosse tête pour lui, un grand prix littéraire de l'Afrique noire, etc. Il dit, bon, c'est Senghor qui est le grand littéraire de l'Afrique et qui est son ami et son frère. J'envoie Evembe là-bas. Je suis allé à l'université de Dakar. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais j'avais une bourse de l'UNESCO. Et quand j'arrive à Dakar, c'est le conseiller culturel du président qui m'accueille à l'aéroport. Je n'allais pas chez Senghor. J'allais à l'université. Mais c'est Aïdjo qui avait organisé ça. Donc, il m'a beaucoup couvert. Quand je suis revenu ici, de façon impromptue, il comprenait pas. Il a demandé qu'on me crée un poste à Douala. Je suis devenu directeur régional pour le littoral et l'ouest, ici à Douala. Poste créé. Mais c'était pour 3 mois. J'ai fait 6 ans et demi. Presque 7 ans. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. C'est Pourtant, ça nous intéresse. plus tard. On est sur le dossier assez brûlant. Je disais donc que Aïdjo a pensé qu'en rappelant Senga, ça lui faisait un lobe du cerveau. En appelant Evembe, le Benjamin, ça lui faisait un autre lobe. Ça faisait les deux lobes du cerveau à Idiot pour se désengager de la France, pour rompre avec la France. Et je vais utiliser des euphémismes. Mon grand frère qui a étudié devait être le bulbe rachidien. Vous savez ce que c'est? Hein? C'est-à-dire, comment tout cela devait se le mettre en bulbe musique, rachidien, justement? le cerveau, c'est quoi? C'est les lobes, non? Et puis ici, il y a quoi? Il y a le bulbe, non? Il y a le bulbe rachidien. Tout ce qui vient d'ici passe par le bulbe rachidien. Senga et Evembe, cerveau bilobé. Ici, celui qui transmet dans tout le corps, c'est le bulbe rachidien qui aurait dû s'appeler Paul Biya. Donc, on s'est retrouvé à trois, plus le papa, à quatre. Quelque chose n'a pas marché pour qu'on continue d'être à quatre. C'est-à-dire, Aïdjo est parti. Et François m'a dit, et il m'avait prévenu quand Aurélien Tekimboumba est venu me dire que le papa là, il dit que tu dois être avec Singapour. Quand je suis allé dire ça à Singa, Singa me dit, fais attention, mon petit frère. C'est toi qui vas être la cible de tout le monde parce qu'on va penser que c'est toi le dauphin. Donc, accepte ma couverture. On va faire les choses à deux, comme un seul cerveau, mais on va travailler pour le pays, pour le présent et l'avenir, avec celui qui va gagner. Et celui qui a gagné dans cette affaire, c'est Paul. Avec le concours de la France, je vous ai dit, quand Mitterrand est allé à à l'Assemblée, dire la France est à l'aise avec vous, c'était fini. Aïdjo était condamné. Et c'est depuis ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là, qu'il y a eu un cerveau sans corps. Le corps, c'était Aïdjo. Le bulbe rachidien est un cerveau avec un bulbe. Et il fallait au cerveau un corps. Le corps, c'était le peuple. On a dit, on va travailler pour le peuple. On va travailler pour le présent et on va travailler pour l'avenir. C'est ce que nous avons essayé de faire. Mais peut-être avant d'y arriver, François de Borgia-Marie Evembe, lorsque le président Aïdjo réalise
que la rupture est pratiquement consommée. En tout cas, lorsqu'il sent que ça va être difficile de travailler avec le président français et qu'il sollicite donc votre expertise avec François Senghor, est-ce qu'il vous le dit de façon claire? Non, on ne fait pas ça en politique. Vous c'est devez percevoir ça de vous-même. Non, c'était le papa, non. Il vous invite à manger à sa table, vous venez. Et ici, la situation était, la conjoncture était vraiment difficile. Et je devais manœuvrer de manière à ce que la France n'y voit que du feu. C'est la raison pour laquelle je suis en train de me poser la question de savoir si, en allant en Chine, il n'a pas pris l'exemple de Mao Zedong. Mao Zedong était dans les structures de l'État. Il n'était rien. Liu Chaoqi était président. Zhou Enlai était premier ministre. Lin Biao était le responsable de l'armée. C'était les grands, là. On ne pouvait pas voir Mao Zedong quelque part dans la nomenclature des responsables. Mais c'était le dieu de la Chine. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Nous, on a attendu qu'il y ait la bagarre, que la bagarre se termine entre le père et le fils. Et vous avez travaillé sur cet ouvrage pour le libéralisme communautaire. On en a parlé dans les deux premières émissions. Vous savez qu'en 2018, il y a eu une réédition de cet ouvrage présenté comme une sorte de programme économique du chef de l'État sur lequel il va s'appuyer et qui allait permettre son entrée en campagne. Comment vous avez apprécié cette... Laissez-moi vous arrêter là. Comment vous avez apprécié le fait que la présidente de la République réédite cet ouvrage? Est-ce que vous avez été convié à cette cérémonie de présentation de cet ouvrage pour le libéralisme communautaire qui a été réédité? Vous avez... Je vous ai donné l'habitude de sortir des noms. Pour que... Je crois que vous avez une émission ici, droit de réponse, quelque chose comme ça. Hein? Je vous donne les noms pour que les gens viennent faire droit de réponse chez vous. Là. Cette question que vous me posez, il faut la poser à un petit frère. Moi, je dirais même un fils qui s'appelle Fru Jonathan. Il est de Santa. Il est de Santa. On me l'a présenté comme étant le directeur des ressources humaines du comité central du RDPC. Il m'a convoqué à Yaoundé. Nous sommes en quelle année? Il faut bien préciser. Hein? 2017. Oui. Il me dit... Patron, on m'a demandé de vous entendre parce que vous avez un contentieux avec le comité central sur le plan administratif. Je suis le responsable du personnel. De quoi s'agit-il? C'était pas la première fois que je parlais d'un autre contentieux. Au temps de Charles Lumba, avec Greg, là, tout ça, j'avais parlé, j'avais écrit beaucoup. Finalement, quelque part, on a dit, ah, le problème, Mbembe, ça regarde son grand frère qui a étudié. Nous, on ne peut pas régler ça. Alors, quand Jonathan m'appelle là, en 2017, j'ai voulu sortir un livre intitulé Le virage raté. Le virage raté. Ou le RDPC tel qu'en lui-même, 3 points de suspension. Oh! Ce livre ne datait pas de 2017. Nous l'avions écrit avant la mort, avant qu'on quitte même le comité central, François et moi. Parce que je voulais qu'il fasse son autobiographie. Mais comme il était déjà malade, j'ai dit, bon, j'arrive, tous les jours, on prend 2 heures, tu me dictes, j'écris, et puis on voit la fin. Il a dit non. Le ventre que tu vois là, c'est une bombe atomique, même pas, une bombe à neutrons. Si j'écris ça, ça va exploser aux Nations Unies, ça va exploser en France, ça va exploser en Afrique, ça va... Non. Ce qu'on peut faire,
c'est que on prend les textes que nous avons envoyés aux structures, au gouvernement, machin, qui organisent le renouveau, la structure politique et la structure gouvernementale. On sort ces textes-là. On en fait un livre. Va me faire une collation de ça. J'ai rassemblé les textes. Je lui ai apporté. Il a corrigé certains. Et c'est ça qui devait être le livre que lui, il voulait qu'on signe à deux et qui reste dans l'histoire du pays. Parce qu'il ne voulait pas qu'on nous mette les échecs sur le dos, à lui et à moi. Voilà ce qui s'est passé en 2017. À la veille de l'élection présidentielle. Je vais deux fois à Yaoundé rencontrer Frou Jonathan. On lui a bien dit, ne parlez pas politique avec M. Wembe. Parlez administration. Sur le contentieux, François de Borgia... 50 millions, il me doit 50 millions, au moins. Sur la base de quoi concrètement? Pour que le Camerounais puisse comprendre. Non. Oh mon fils, il y a la mauvaise gestion du parti qui n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai perdu beaucoup en quittant le parti. Beaucoup. Et les gens ont décidé de me punir à cause de ça. Je n'ai pas de droit dans ce pays. Pas de pension, pas de retraite, pas de rien. Rien. Est-ce que vous avez introduit un dossier administratif? J'ai dit depuis Charles Doumba, Joseph Charles Doumba. Greg est là, non? Grégoire Rodin. Mais le RDP, c'est une association politique. Cela n'a rien à voir avec les fonctions au sein d'une administration publique. Comment se fait-il que vous soyez privé de pension? Est-ce que vous, si vous avez travaillé et ayant eu un contrat régulier, un contrat de travail, vous devriez en principe mériter d'avoir votre retraite? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement à ce moment-là? Allez leur demander. J'ai créé le courant des forces progressistes à l'intérieur du parti. En trois ou quatre mois, on changeait la physionomie de la gouvernance. J'ai enseigné à certains de mes camarades qui avaient adhéré au courant des forces progressistes comment travailler à l'Assemblée nationale. Il y en a qui ont pris peur. Il y en a qui ont pris peur. Et Paul a décidé d'ouvrir les vannes. On appelait ça le multipartisme intégral. Qu'on lui a reproché d'ailleurs. Les Emma Basile et tout ce monde-là, ils ont dit, mais c'est précipité ton multipartisme-là. Mais lui, il se disait, s'il ouvre les vannes du multipartisme, François et moi, il faut qu'on aille créer notre parti, qu'on ne vienne pas faire un parti dans le parti. Moi, je crois que c'était ça sa stratégie. So the 50 million, you're saying that the CPDM is owing you. What is it for? Compensation, unpaid salaries for your works within the party? Il y a là-dedans le salaire, une partie du salaire. Parce qu'il est arrivé qu'on fasse 8 mois sans salaire. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Au comité central du RDPC. Bon, en 91, on avait payé 5 mois. Il restait 3 mois. Ils me les doivent. J'ai pris un crédit au crédit foncier pour construire une maison à Kribi. J'étais à 16 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? On a décidé de retenir mon salaire à la source. Enfin, les versements au crédit foncier à la source. C'est-à-dire que sur mes 600 000 francs de salaire, on devait retenir 48 à 50 000 francs par mois et verser directement au crédit foncier. On ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. Ensuite, vous savez que quand vous travaillez, vous êtes salarié, on verse vos cotisations à la caisse. Quand j'étais là, on ne versait pas. On disait qu'on verse, mais on ne versait pas. On s'est donc retrouvé sans pension retraite. Laisser Ambela et les autres qui travaillaient avec nous à cette époque-là. On a dû leur faire des compensations parce qu'ils n'avaient pas de retraite. Alors c'est tout ça rassemblé qui a fait que
Bon, j'ai été très, très large. Je dis, bon, disons 50 millions. Et lorsque vous posez ce problème au comité central, à celui qui se présente comme le coordonnateur des ressources humaines, quelle est sa réaction? Non, il a dit qu'il va faire son rapport, puisqu'on lui avait dit de m'entendre. J'ai dit, bon, quand il y aura eu le rapport, vous me donnez une copie. Il dit, non, ce n'est pas vous qui m'avez commandé le rapport, c'est le patron. Je vais dire, non, patron. J'ai dit, bon, quand vous aurez donné votre rapport au patron et qu'il y a un retour, faites-moi signe. Right, concerning the Jusqu'à question aujourd'hui, il the n'y a pas, y a pas de retour. okay, you're still expecting. You're hoping that someday you will have an answer from J'espère. maybe the head of state. Now, J'espère. concerning the new edition of the book Communal Liberalism, you said the question should be put to Fru Jonathan. J'étais en train de Why? vous raconter ça. Why should the question be put to Fru Jonathan? Non, je suis en train de vous raconter ça. Que lorsque j'ai voulu sortir le livre, je suis allé, on m'a recommandé quelqu'un qui a une maison d'édition sur place, c'est-à-dire au Cameroun. Je lui ai apporté le manuscrit. Il a dit qu'il est honoré que quelqu'un comme moi lui apporte un livre qui retrace l'histoire du pays. Mais qui va créer un comité de lecture? Qui va faire sa note de lecture et il va m'appeler. Et de toutes les manières, il va. Il décide de sortir le livre. Un mois, 2 mois, 3 mois. Quand je le relance, ah, il n'a pas d'argent. Si moi, je veux, je lui donne l'argent, le livre sort à compte d'auteur. C'est comme ça qu'on dit. Parce qu'à compte d'éditeur, c'est l'éditeur qui finance. Mais l'auteur peut donner de l'argent. Ça se fait avec l'harmattan, hein? Vous donnez l'argent quand vous voulez que l'harmattan vous sorte un livre. Vous donnez peut-être 1 million ou 2 millions. Qui achète 50, 500 exemplaires, si c'est 1 000 exemplaires. Et dans le cas Alors, d'espèce, il fallait combien concrètement pour non, dans le pouvoir cas d'espèce, éditer ce livre? l'éditeur me dit vraiment, si vous avez de l'argent, je vous apporter, je veux sortir votre Combien livre. il Il m'a voulait? pas donné, il m'a pas donné le. Parce que j'avais prévu ça. Je lui avais dit, si il vous manque de l'argent, parce que moi je n'en ai pas. J'ai des petits frères qui sont quelque part au grand collège. Ils ont beaucoup d'argent. Vous avez compris, non? Expliquez-nous davantage. Les Non, non, non. téléspectateurs Le souhaitent. grand collège, vous le connaissez. Les Il téléspectateurs veulent bien comprendre y aussi. a un seul grand collège au Cameroun, hein, où il y a plein de milliardaires. J'ai dit, allez les voir. Dites à ses petits frères que c'est le grand frère, c'est le doyen qui voudrait sortir un livre. Il voudrait que vous l'aidiez à financer la sortie du livre. Quand je reviens voir l'éditeur, il me dit, ah, mais vous savez, ils n'ont pas d'argent. Hein? On dit qu'ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas d'argent, donc je peux. J'ai compris, je suis parti. Qu'est-ce que vous avez compris lorsqu'il a J'ai réagi ainsi? compris, j'ai compris. Parce qu'il m'a donné que. Il ne m'a pas dit que son comité de lecture lui a envoyé une note de lecture, non. Il a dit qu'il n'a pas encore édité le livre parce qu'il n'a pas l'argent. Si moi j'ai de l'argent, je lui donne. Mais comme en même temps, Fru Jonathan me convoque, nous sommes en 2017, il me convoque. Pour me faire croire qu'il me caressait dans le sens du poil, peut-être pensant que je n'allais pas continuer à vouloir sortir le livre. Je ne sais Quel est le pas. lien entre votre volonté d'éditer ce livre et cette convocation au RDPC? On m'a pas dit. On m'a pas dit le lien. On m'a pas dit. Mais j'ai constaté que c'était ça. Et tenez-vous bien, c'est après ça que le calendrier électoral a été renversé. Au lieu de commencer par les municipales, on a commencé par la présidentielle. Now, before we go further, you're On talking a about your book. commencé par la présidentielle. We'll talk about that. Before we go further, I want to understand something. You're talking about your book, Le Virage Raté,
But we're talking about the second edition or the new edition of communal liberalism. What's your take on Parce qu'on savait que c'est moi qui ai signé le BAT du libéralisme communautaire. Le bon à tirer du livre du président, c'est moi qui ai signé le BAT, c'est-à-dire c'est moi qui ai autorisé la publication du livre. Pendant toute cette période, on dit c'est le livre du président, c'est le livre. On ne fait pas ce qui est dans le livre du président. Au moment où je veux sortir un livre qui critique la gouvernance pendant toute cette période, on dit que non, c'est bien qu'il y a son livre, il faut le rééditer. Peut-être pour qui mettre le BAT ? Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez été convié à cette cérémonie de présentation de... Je vous ai dit non. Je vous ai déjà dit non. Comment vous avez réagi lorsque vous avez vu ces panneaux publicitaires, ces annonces concernant la réédition de cet ouvrage pour lequel vous avez participé à sa conception, son élaboration et sa relecture ? Vous voulez que je réagisse comment? Je vais vous dire une chose. Have you read the book? Is it the same thing? J'ai dit, the same ideas? Je n'ai pas voulu lire ce qu'ils ont sorti là. Je n'ai pas voulu lire ça. Je vais vous dire une chose. J'ai parlé ici, j'ai cité le nom d'un ami ici dernièrement. Yondo Mandenge Black. Il a été deux fois à l'élection présidentielle. Et deux fois, je suis allé le soutenir. L'un des slogans que nous avions élaboré pour faire comprendre que ce n'est pas fatalement un parti politique qui peut présenter quelqu'un à l'élection présidentielle, le peuple pourrait le faire. On a fait le slogan de Yondo Mandenge Black ce jour-là, c'était le choix du peuple. Le choix du peuple. Mais vous avez retrouvé ça plus tard là, comme le slogan de la présidentielle du grand frère. Le choix du peuple. Voilà comment il y a des gens qui... Voilà comment les gens fonctionnent. Ils sont allés dire au grand frère, ah là, c'est le choix du peuple, vraiment. C'est, parce qu'il n'y a plus d'arguments pour dire que c'est le parti, machin. Non, non, non. Au lieu de trouver un autre slogan, ils sont allés épuiser chez Yondo Mandenge Black. Je suis venu dire à Black ici, les droits d'auteur, hein, faut les réclamer. Parce que c'est le slogan de ta campagne électorale. C'est le slogan de ta campagne électorale. Réclame les droits d'auteur. Est-ce que la réédition de cet ouvrage pour le libéralisme communautaire est un signe que le chef de l'État souhaite interpeller les membres du gouvernement sur sa volonté à ce que ce qui a été écrit dans cet ouvrage soit implémenté à travers la politique gouvernementale. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'on est en plein biaïsme depuis qu'on n'a justement pas voulu mettre en œuvre tout ce qui était dans le libéralisme communautaire. On a voulu créer le biaïsme. C'est quoi le biaïsme? Le biaïsme, c'est le renouveau. Le biaïsme, c'est le libéralisme communautaire. Pourquoi veut-on créer quelque chose d'autre qui s'appelle le biaïsme, qui n'est pas le libéralisme communautaire, qui n'est pas le renouveau? J'ai envoyé deux missions. Parce qu'on a utilisé la section Paris. La section de France, plutôt, à Paris. J'ai envoyé deux missions, dont la dernière était dirigée par Joseph Ona, agrégé. Parce que la première mission, nous sommes dit, bon, les gens que nous avons envoyés n'avaient certainement pas assez de bagout et assez d'intelligence pour convaincre tous ces grands étudiants, tous ces grands intellectuels comme on a en France. Donc, on va envoyer des forts en thème. On a envoyé une délégation conduite par Joseph, revenu produit. Le biaïsme a continué à prospérer en France. C'est là où François m'appelle, Senga, il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Parce que là, on est en train de saquer le renouveau et le machin. Je lui ai dit, je vais y aller moi-même.
Je suis allé, j'ai éteint le libéralisme, le biaïsme en moins de 36 heures. À l'ambassade, il y a des étudiants qui étaient encore là-bas qui savent de quoi je parle. J'ai fait signer la feuille de présence que fini le biaïsme, on ne parlera plus que du libéralisme communautaire, machin. Mais est-ce qu'on l'a mise en œuvre? What did you tell them to convince them? What did you do that the others could not? On va passer toute l'émission à dinailler sur ces petites choses. On a des trucs. So what did you do? On devrait passer 48 heures ici pour vous parler de la conférence que j'ai dirigée à l'ambassade du Cameroun au 16e arrondissement de 9h du matin à minuit, non-stop. Entre parenthèses, c'est des techniques communistes. Qui visent à faire quoi? Mais on vous fatigue avec... vous apportez des arguments logiques, intellectuellement forts. Et l'adversaire, vous le tournez en bourrique. Là. À la fin, il est fatigué. Il sera à votre argumentaire. Il dit oui. Bon, tu as raison, papa. François de Borgia, Marie Evembe, je vous invite à présent à parler de ces fléaux sociaux qui gangrènent le Cameroun, l'Afrique et le reste du monde, les questions de repli identitaire, de tribalisme, de xénophobie et les origines des différents peuples qui se trouvent au Cameroun. On en parle dans une poussière de secondes. D'abord, une courte pause dans cette émission. Rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La Vérité en Face, dans la saga des éditions consacrées à un pan de l'histoire sociopolitique du Cameroun, dans la troisième édition de cette série d'émissions. Nous sommes avec en compagnie ce soir de François de Borgia Marie Evembe, anthropologue, écrivain, acteur politique, lui qui a été au cœur du pouvoir, du renouveau. François de Borgia Marie Evembe, le Cameroun est aujourd'hui à la croisée des chemins. Il y a une observation qui est faite par tous les Camerounais, celle de la montée en puissance, du repli identitaire et du tribalisme. Est-ce que vous avez la même perception dans votre quotidien concernant ces différents fléaux? Je vais vous répondre. Mais permettez que je boucle un peu les deux aspects que nous avons essayé de surmonter dans la politique camerounaise, dans la première, deuxième émission et à l'introduction de celle-ci. Il faut que vous sachiez que j'ai eu des atomes crochus. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire beaucoup de sympathie ou d'empathie avec beaucoup de monde, depuis longtemps. J'ai pratiquement été le fils de André Fouda. André Fouda a fait son école chez moi, à Kribi. Il est allé à l'école à Kribi. On l'avait bien accueilli là-bas. Et quand il a découvert que je suis de la ville de Kribi et que c'est ma famille qui a créé la ville de Kribi, il a dit, mon fils, ce que j'ai chez toi là, je vais te le donner aussi ici à Yaoundé. Malheureusement, il est parti, il est allé mourir en France avant le congrès de Bafoussa. Beaucoup de sympathie. Vous avez des gens comme Achidi Achou. Avant qu'il ne devienne le théoricien du
politique Nandjangi, c'est mon grand ami. Le jour où vous le verrez, rappelez-lui ça. Il y a les Ayang Luc, il y a les Kavaye Yegye, il y a les Joseph Ona, les Greg Ona, il y a les Frundi, ils sont nombreux, très nombreux. Vos amis. Très, très nombreux. Et moi, j'ai un grand frère. Hein. Il ne sait pas que je suis né à Sambalima. Il ne sait pas. Or, je suis né à Sambalima. Avant qu'on ne dise que je suis né à Kribi, parce que les princes ne naissent pas ailleurs. Ils naissent toujours chez eux. Alors, quand je suis prince de chez moi, il ne fallait pas qu'on dise que je suis né à Sambalima. Mon père était celui qui achetait le cacao, le café, le strophanthus. Tu vois, dans toute cette région, l'Anvila et aujourd'hui du Diaéroport. Et c'est là-bas que je suis né. Paul ne sait pas ça. Et je peux dire que c'est pour ça que j'aime l'appeler, vous êtes rendu compte. C'est mon grand frère. Et c'est mon grand frère de deux manières. Non seulement je suis né à Sarmenima, mais il est Verseau, non ? Hein ? Il est Verseau. On appelle ça quoi ? L'horoscope. Hein, il est né le 13 février. Oh, je suis... signe astrologique. Oui, oui. Moi, je suis balance. Les balances sont conçues en février, c'est-à-dire au Verseau. Si je veux interpréter les signes divins, c'est quand lui, Paul, s'efface que moi j'entre en lice. Puisque je suis conçu quand lui, il est déjà né depuis. Je suis conçu au Verseau pour naître en balance. Il est mon grand frère, non? C'est comme ça que moi j'interprète tous ces signes. Le doigt du destin. J'estime. Vous m'avez présenté comme un homme politique, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je le suis. Mais j'estime que le grand frère a fait ce qu'il pouvait faire en 38 ans. So is he fading out for you to come in? Vous me provoquez tout le temps. J'ai dit qu'en tant que petit frère, je peux dire que le grand frère a fait ce qu'il a pu en 38 ans. Maintenant, il faut qu'il passe le témoin. Parce que ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour moi. C'est pour ce qu'on appelle le peuple. Mais il est en train d'exécuter un nouveau mandat présidentiel qu'il a baptisé le mandat des grandes réalisations. Non. Nous sommes à la deuxième année de ce mandat présidentiel qui a une durée de 7 ans. Les grandes réalisations datent déjà depuis longtemps. Les grandes réalisations sont intrinsèques aux grandes ambitions. Est-ce que les grandes ambitions datent de 2 ans? Non. Moi, je voudrais simplement faire appel. Les grandes ambitions, c'était 2011. 2011, nous sommes en 2020. Great opportunities. Non, écoutez, nous sommes ici à Equinox et nous parlons aux Camerounaises et aux Camerounais. Nous parlons à l'Afrique, nous parlons au monde. Nous parlons de choses sérieuses. Parce que nos quatre qui sommes ici, moi, je suis déjà dans mon compte à rebours. J'ai plus beaucoup de temps à vivre. Vous en avez encore un peu plus que moi. Mais nous savons, vous et moi, qu'à un moment donné, c'est 2 mètres sous terre. Donc, quand nous essayons de vivre, il faut qu'on pense aux 2 mètres sous terre. Mais il faut qu'on pense aussi au fait que, comme j'aime à le dire et retenez l'expression, on n'a pas le droit de mourir le jour de son enterrement. Je répète, on n'a pas le droit de mourir le jour de son enterrement. Quel est le message que vous voulez faire passer à travers? Chez les Bamileke, les miens, je vous expliquerai pourquoi je dis les miens, il y a le culte du crâne. Le crâne.
garde précieusement le crème. Ça veut dire que il n'est pas mort le jour de son enterrement. Parce que le crâne, c'est un objet de dévotion pour les descendants. Le crâne, c'est l'ascendant. Tous les descendants viennent honorer le crâne. Ça veut dire que chez les miens, c'est-à-dire les Bamileke, on ne tue pas les gens le jour de leur enterrement. C'est un rite que Dieu a voulu, mais qui se perpétue à travers la descendance. Le rite de quoi? De la survie. Paul va partir. Comme le père à nous tous est parti, il est enterré à Dakar. Ah, tu es parti. Ses ossements sont à Dakar. Pourquoi voulez-vous que moi, je prenne l'avion ici jusqu'à Dakar pour aller me mettre à genoux devant la tombe du papa? Pourquoi? Et c'est le papa de nous tous. Il faut que le crâne de El Hadj Amadou Ahidjo revienne au Cameroun pour qu'on lui rende hommage. Qu'il ait fait du bien ou du mal, il est le nôtre, il est de notre famille. François de Borja Marie Evembe, I want to get something clear. I want to be sure that what you've said is exactly what I have heard. Are you saying to the President of the Republic, Paul Biya, that he should avoid to be killed on the day of his burial by stepping aside, by stepping down and handing over to somebody? Is that what you're saying? Je veux dire ceci, ou plutôt je dis ceci. Il est temps pour le grand frère de comprendre qu'il doit passer la main. De quelle manière? Il est assez intelligent pour le savoir. Ce n'est pas moi qui vais le lui conseiller. Mais vous avez certainement un schéma. Ou... Je suis un cerveau. Et quand il y a un problème devant moi, je mets l'imagination au pouvoir. C'est ça, c'était ça le slogan de François Senghakou et François Borja Marie Evembe. L'imagination au pouvoir. Quand vous êtes Camerounais, Sénégalais, Algérien, Zimbabwéen, vous avez vos problèmes locaux. Mettez l'imagination au pouvoir et trouvez des solutions localement. Il doit être certainement en train d'y penser, mais en se demandant, mais comment on fait? Peut-être des gens autour de lui, comment on fait? C'est la raison pour laquelle j'avais dit à certaines personnes qui venaient me parler en son nom. Je leur ai dit, le grand frère me connaît. Très bien. Même si on ne s'est jamais assis comme ça pour discutailler. Hein, mais il me connaît très bien. S'il veut que je lui apporte mon humble avis sur un problème qu'il a, il sait où me trouver. Vous ne voulez pas le dire sur ce plateau? J'ai dit ça à ces personnes-là qui venaient me parler en ce moment. Le grand frère a un problème. Il n'arrive pas très bien à cerner. Qu'il m'appelle. François de Borgia Marie Evembe, vous êtes en train de conseiller au chef de l'État de se retirer. Il est en plein exécution de son mandat présidentiel. Quel schéma doit-il utiliser si jamais il venait à suivre votre conseil? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était en plein mandat. Il a trouvé la solution à son problème. Malheureusement, la mise en œuvre de cette solution n'a pas été bonne. C'est pour cela qu'il est parti. Est-ce que cela justement ne peut pas justifier les appréhensions de l'actuel président? Qui peut se penser qu'en mettant en place le même schéma, il peut se heurter aux difficultés? Je n'ai pas dit qu'il doit mettre en place le même schéma. C'est vous qui interprétez. Je dis, moi, le petit frère, moi, le cerveau, avec Senghakou, qui devait avoir pour Bulbul Rachidien Paul Biya, je dis, la situation est telle qu'il n'est plus question de dire s'éternise au pouvoir qui peut, pas qui veut, non. Devenez
un éternel pouvoiriste en pensant au peuple. En pensant au peuple. Mais le maintien du chef de l'État à la tête du Cameroun est lié, selon ses partisans, au fait que les Camerounais souhaitent avoir à la tête de leur pays un homme pétri d'expérience, un patriarche qui sait mieux que quiconque, ou pouvoir maintenir le cap pour l'émergence du Cameroun et permettre au pays de saisir les grandes opportunités existantes. Est-ce que ces arguments sont valables dans le contexte actuel ? Monsieur Nouvelle, la Chine, la Corée, le Japon ont eu besoin au plus de 30 ans pour atteindre le take-off. 30 ans. Paul est à sa 38e année. Vous êtes en take-off, au décollage. Votre économie est en train de décoller. Non, dites-moi. Est-ce que le Cameroun, l'économie camerounaise, le nom du Cameroun dans le monde, s'est décollé? Ça s'est décollé. Au temps de papa, là, qu'est-ce qu'on disait à cette époque? C'est vrai que vous étiez encore tout petit. Nous étions dans le peloton de tête. Le Cameroun était toujours en Afrique, dans le peloton de tête. Allez voir les statistiques des Nations Unies, et puis des autres. On est dans le peloton de cœur. C'est pas normal, ça. Avec toutes ces grandes intelligences que nous avons. Les partisans du pouvoir Biya l'attribuent au choc économique, un choc pétrolier, la conjoncture économique internationale. Ils estiment même que le Cameroun a fait preuve de résilience économique malgré toutes ces difficultés, cette conjoncture internationale. Que pensez-vous de ces arguments ? Pour justifier la position du Cameroun et son IDH et son développement humain, son indice de développement humain à l'heure actuelle. Vous connaissez le nombre des habitants de ce pays ? Vous connaissez le vrai nombre, la statistique ? Vous la connaissez ? C'est combien ? Il y a eu un recensement de la population en 2005 avec des résultats qui ont été rendus publics en 2010. Et c'était combien ? Autour de 20 millions. Et vous pensez qu'on est 20 millions ? Ça fait quand même 10 ans que les résultats ont été rendus publics. Mais à partir du taux de croissance de la population, on peut faire des évaluations et des estimations. Vous avez fait. Il y a une science dans le monde moderne qui s'appelle la prospective. On fait des projections. Vous avez fait des projections pour l'an 2000. Ah oui, c'est vrai. On dit l'an de 2035. Pour l'émergence. Moi, je serais mort. Paul serait déjà mort. Qui va répondre de tout ça? Hein? 2035? Non. Soyons sérieux. Pour une fois. Moi, je suis arrière-grand-père. Hein? Je suis arrière-grand-père. Quand je pense à mes arrière-petits-enfants qui sont déjà vivants, j'ai envie de pleurer. Pourquoi vous êtes si triste et pourquoi vous avez envie de pleurer? Parce que j'aurais pu faire mieux. Et leur laisser un Cameroun qui est réellement dans le siège du take-off. Now you're saying that the president of the republic should step down and hand over in some few words so that we can progress to our je next issue. Je vais vous donner un exemple. Now it seems from all what you're saying, you're giving the impression that the head of state is clinging on power. He does not want to leave power. What should Cameroonians do? Should they do what the Malians did? Ne soyez pas subversif. Hein? Lui, il est tout le temps en train de vouloir être subversif. Je n'ai rien dit de cela. Il a posé une question, hein, François-Marie. Je n'ai rien dit de cela. The question is, what should Cameroonians do if the head of state does not want to leave power and hand over to somebody? J'ai dit. Should they do what the Malians did? J'ai dit que. Vous savez, au Mali, là, Konaré était mon ami. Omar Konaré était mon ami. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Aujourd'hui, Ibeka, moi je ne le connaissais pas, Ibeka. Je connaissais Konaré. Mais Ibeka, les frères qui portent le fusil, là, ils lui ont dit, papa, laisse, tu ne peux plus. Il y a trop de problèmes. Peut-être qu'on va essayer.
Ça, c'est le sentiment, ça, c'est les réactions d'hommes d'État qui voient le peuple, qui voient l'avenir. Ils disent, bon, je vous ai parlé de Jerry Rawlings, hein, et de Kérékou. Alors, quand on arrive à un cul-de-sac, à une impasse, on est un homme d'État, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de regarder à droite et à gauche, on recule, on voit quel est l'espace que les autres peuvent occuper pour booster la dynamique. Voilà ce qu'on fait. Je n'appelle pas les hommes du Cameroun, à l'intérieur comme à l'extérieur, à faire ce qui a été fait au Mali. Non. Parce que j'ai confiance en mon grand frère. Il est très intelligent. Très. Et il sait ce qu'il faut faire. S'il estime qu'il est fatigué, s'il estime qu'effectivement, on n'est pas au niveau où on devrait être. Et s'il estime qu'il n'est pas fatigué, qu'il a encore de la ressource et de la vigueur pour diriger le Cameroun, comment vous réagissez? Mais il n'a qu'à le faire. Il le fait d'ailleurs. Just to add a word to what Cedric is saying, we know an African head of state who was on a wheelchair, but still standing there, still holding firm to power. Bouteflika. Je ne voudrais pas faire la sociologie de la politique africaine. Parce que vous allez constater que la plupart de nos chefs d'État, ils manœuvrent avec les constitutions pour être là. Encore là et toujours là. En Afrique, c'est devenu une sorte d'habitude. On est là, on veut être là, on veut continuer à être là, on veut mourir là. Mais combien d'Africains dans ces États sont morts parce qu'on est là, on veut être là, on veut continuer à être là? Combien? Je vous parlais des statistiques tout à l'heure. Aller au sous-quartier. Moi, je suis immergé dans la population. Je suis un citoyen lambda. Je suis un citoyen lambda. Je sais comment bat le cœur du peuple. Vous ne savez pas, monsieur Nouvelle. Les rues de Yaoundé, là. C'est avec une nouvelle, hein. C'est pour ça que j'admire certaines femmes. J'ai manifesté, j'ai conduit les manifestations de rue à Yaoundé avec des femmes comme Madame Nouvelle. Il faut courir, on court. Il faut sauter, on saute. Pour exprimer démocratiquement et pacifiquement quoi? Notre refus de continuer à être dans cette situation-là. Je vous ai parlé d'atmosphère. Il faut changer les éléments de l'atmosphère. Comment ces éléments actuellement? On fera une sociologie de l'atmosphère politique. Pour le moment, je vous ai dit ce que je pense. Moi, François Borgia-Marie, prince, vous avez oublié de me présenter là tout à l'heure. Je suis un suzerain, je suis un prince, je suis un patriarche. Et on convoque cette casquette justement pour poser des problèmes que les Camerounais rencontrent au quotidien, François de Borgia, Marie Evembe, sur la question relative au tribalisme et au repli identitaire. Nous sommes dans une situation difficile dans le monde. Coronavirus. Voilà un ultrason, parce que c'est une nanoparticule. Qui oblige les gouvernements, les religions, les groupements, qui les oblige à se mettre en rang et qui leur impose le pas de leur gouvernance. Coronavirus. Macron
a dit, avec le coronavirus, les choses ne seront plus jamais comme avant. Et il a raison. Il est très, très intelligent, Emmanuel Macron. Pourquoi il l'a dit, président de la France? Parce qu'il sait comment c'est arrivé. Le coronavirus. Quand ça a commencé à tuer là, j'ai fait une vidéo et j'ai résumé la vidéo que je suis allé donner à nos dirigeants. J'ai dit, pour combattre une pandémie, d'abord une endémie, puis une pandémie, il faut connaître la nature de la pandémie. Moi, je connais la nature de la pandémie depuis 2009. Je vous aurais amené la revue Science et Vie de décembre 2009 qui parle de la nanotechnologie et des nanoparticules. Et c'est dans cette revue qu'il y avait déjà le projet de iSent avec les mésocosmes et les mésonettes. 14 groupes de scientifiques français et 13 groupes de scientifiques américains qui ont créé, sous la direction d'un savant, Botero, cette histoire de toxicologie des virus dans des écosystèmes confinés. C'est de là que vient le mot confinement. 2009, les Chinois volent, ils aiment voler. Ils ont volé ça avec chez les Français. Mais il y a eu un laboratoire qui a été construit en Chine, qui était le théâtre d'un partenariat entre la France, la Chine et d'autres pays, ont été développées justement ces recherches sur les virus pour trouver des solutions palliatives aux multiples maladies. C'est là que certains rapports indiquent que les Chinois ont commencé à développer travaux scientifiques sur ces virus précis et qu'il y aurait eu un incident dans ce laboratoire. Non, non. Les Français ont vendu la technologie aux Chinois. Il faut le dire. C'est la vérité historique. C'est les Français qui ont vendu la technologie aux Chinois. Et comme en Chine, ils s'approprient tout ce qui est innovateur, hein, c'est comme ça qu'on dit ? Innovation. Tout ce qui est innovation, surtout scientifique et technologique, ils se l'approprient et ils nationalisent la chose. Les Chinois ont pris. Ils n'ont pas voulu tenir compte des termes de référence du projet iSent. Parce qu'ils avaient leurs objectifs à eux, Chinois. Et c'est comme ça qu'ils ont justement développé la nanotechnologie sur les virus. Before you go further, please to expand on what you're saying, the origin of coronavirus, I want you to clarify something here. It didn't come from animals. Is that what you're saying? No. Because when it started, the way talks about animals. Vous savez, la bière qu'on nous apporte là, on boit, non? Le vin qu'on nous apporte, on boit. Tout ce qu'on nous apporte de l'extérieur, on boit. Quelque part ailleurs, là-bas, on a dit, c'est la chauve-souris, c'est le pangolin, c'est ne mangez plus la chauve-souris. Sans nous dire ce que c'est que la chauve-souris. Sans nous dire ce que c'est que le pangolin. Déjà, en toi, en moi, il y a ce qu'on appelle la peau cornée, là, qui est un système immunitaire contre les virus, parce qu'il n'y a pas un virus dans l'atmosphère. Il y a des centaines de virus, parfois des milliers de virus, qui ne nous font pas mal. Parce qu'on a la peau, le système immunitaire, déjà sur la peau. Vous voyez? L'leucoderme, permettez-moi le terme, ceux qui ne sont pas comme moi, noirs comme vous et moi, qui s'amusent avec ce que j'appelle la ligne rouge. La ligne rouge, c'est quoi? C'est la nanoparticule. Prenez un millionième de millimètre. Prenez un millimètre dans votre règle.
gradué. Un millimètre, divisez ça par un million. Les nanoparticules, c'est un millionième de millimètre. Quel serait l'intérêt de l'utilisation de cette nanotechnologie et la propagation de ce coronavirus? L'intérêt, c'est quoi aujourd'hui? C'est la raison pour laquelle je dis, comme toujours, on n'a pas saisi l'importance de la chose. Le tribunal, la Cour pénale internationale devrait entendre ces gens-là, parce que c'est du génocide qu'on prépare avec ces choses-là. Je n'ai pas entendu aux Nations Unies dire la France, les États-Unis, la Chine, il faut les passer à la Cour pénale internationale. Je n'ai pas entendu. Il n'y a pas un seul État africain qui ait demandé que ces gens-là passent à la Cour pénale internationale, alors qu'ils sont génocidaires. Mais aucun de ces pays n'a été accusé ouvertement, avec preuves scientifiques et matérielles à l'appui, de leur responsabilité dans la crise sanitaire mondiale qui sévit actuellement. On a suivi le président américain Donald Trump accuser la Chine, mais l'OMS a demandé d'être prudent et que des recherches sont encore en cours pour établir et retracer l'origine de ce virus Covid-19. C'est-à-dire, Cédric, je vous ai donné un document de référence. Science et vie, 2009, décembre. Tout est dedans. Je croyais l'avoir amené pour vous montrer, mais je ne l'ai pas, je l'ai pas ici. Tout est dedans. Le projet est dedans. Les gens qui devaient faire ça... Je vous ai parlé de Botero, non? Ça a été le directeur de recherche de cette histoire de Hyacinthe. Allez vérifier. On ne veut pas accuser les gens. Pourquoi on ne veut pas accuser les gens? Aujourd'hui, c'est la course au vaccin. C'est l'argent. Quand il y a une pandémie, c'est l'argent. Le VIH, c'est devenu une affaire d'argent. Ebola, là, c'est devenu une affaire d'argent. Mais ce sont des virus manufacturés, c'est-à-dire créés en laboratoire, comme dans les usines. Ce n'est pas des virus naturels. Et on sait qui fait ça. Mais cela fait de nombreuses années que les scientifiques créent des virus dans le laboratoire pour combattre d'autres maladies, pour pouvoir réduire l'impact des maladies. Ils ne créent pas les virus. Les virus sont l'un des éléments thérapeutiques. Parce que on peut aller chercher une herbe, on prend le principe actif, ça combat. On peut aller chercher un silicate, ça combat. On peut aller chercher, je sais pas, une écorce, ça combat. On prend le principe actif, on l'oppose à la nature de ce qu'on veut combattre. Est-ce qu'on est obligé de créer de toutes pièces des virus nouveaux, alors qu'il y en a plein comme ça dans l'atmosphère? La chauve-souris dont on parle. La chauve-souris a cette caractéristique que quand les virus viennent la contaminer, elle combat. Son corps combat le virus. Si la chauve-souris n'arrive pas, la chauve-souris change le séquençage de son ADN pour que le virus qui est là n'ait plus de quoi manger. Parce que tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est ce qu'on appelle les éléments chélatés, c'est-à-dire transmetteurs d'énergie dans le corps, dans le sang. Les éléments chélatés dans l'ADN, c'est les atomes de fer. From your findings, what were the original intentions of the creation of that virus? Was it to kill us we are having today, or it had another objective and it was poorly manipulated along the way? Dans la revue dont je vous parle, il est même question de voir comment on peut créer la vie. Il est même question. Et on doit, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo, pour dire à mon gouvernement que ne tombez pas dans le piège de ce qu'on va vous raconter. Puisque c'est quelque chose de manufacturé avec des termes de référence pour le moyen, pour le court, le moyen et le long terme. Voilà. On doit se réunir pour voir comment il y aurait une parade africaine contre le coronavirus. Mais qui m'a écouté? Personne. J'ai envoyé à mon petit frère
C'est vrai. La vidéo, il doit l'avoir quelque part. Mais qui a écouté la petite, la menue voix d'un certain prince Emmé qui vous met en garde contre ce que les Blancs racontent et qui ont créé le virus? Qui a écouté? Personne. Donc ça, c'est un aspect, c'est pour répondre à votre question, mais je voudrais que on parle réellement l'archéonomastique. Je ne sais pas si... Justement, c'est pour ça que je souhaite, pour entrer sur ce point précis de l'émission, sur la question du tribalisme, du repli identitaire, François de Borgia, Marie et Vembe. Qu'est-ce qui fait problème au Cameroun concernant ces fléaux? Parce qu'on ne connaît pas nos origines. Les vraies origines, on ne les connaît pas. Nous sommes des formatés, là. On a nettoyé toute notre mémoire. On ne sait plus d'où on vient. Lui disait... pourtant on entend dans les rues des Camerounais qui disent qu'ils sont du groupe Ekan, d'autres qui disent qu'ils sont des Bamileke, d'autres qui disent qu'ils viennent, ils sont Banen. Est-ce qu'ils sont originaires, ils sont autochtones de ces différentes régions du Cameroun? Est-ce qu'ils se fondent sur des faits réels pour affirmer de tels propos? Mais ils sont nés là-dedans, non? On est Bamileke avec les parents Bamileke. On est Banen avec les parents Banen. On est Batanga avec les parents Batanga. On est Balinyonga avec les parents Balinyonga. Est-ce qu'ils peuvent se revendiquer d'être des autochtones? Mais ils savent d'où ils viennent. Ils savent qu'ils sont Banen. Mais d'où vient le Banen? D'où vient le Balinyonga? D'où vient le Bamileke? Quelle est la racine? Parce que quelque part, quand vous êtes... C'est pour cela que j'ai dit, je ne peux pas faire un cours d'archéonomastique, on n'est pas en amphi ici. Ça nous prendrait énormément de temps. Mon petit frère qui est recteur de Yaoundé 1 m'avait fait le plaisir, l'honneur et le plaisir, de me donner 3 jours pour faire un séminaire colloque à l'université de Yaoundé 1. J'ai fait le colloque, qui a été boycotté par tous les grands parcheminés, excusez-moi le terme, et tous ceux qui ont... Je suis docteur, je suis maître de conférence, je suis agrégé, je suis docteur d'État. Et ils ont boycotté. Alors que le recteur voulait qu'ils assistent. Parce que j'ai créé, pour utiliser des termes simples, une science des origines qui n'est pas l'archéologie, qui n'est pas la paléoanthropologie. Qui est plutôt? L'archéonomastique. J'ai appelé ça l'archéonomastique. Il s'agit de quoi concrètement? C'est la science des dieux. C'est la science des dieux pour les hommes. Parce que la science des hommes pour les hommes, elle détruit. La science des dieux pour les hommes, elle est construite. Et les dieux ont fait en sorte, appelons ça les dieux, parce qu'on n'a pas d'autre mot. Ils ont fait en sorte que les hommes soient les hommes du verbe, le souffle, l'énergie du souffle. Quand je parle là, je manipule mes lèvres. Je peux ouvrir ma bouche comme ça, la mettre comme ça. La mettre. C'est A-I-U. A-I-U. Vous ne pouvez pas transformer votre bouche autrement. Vous ne pouvez pas lui donner une autre forme. C'est A-I-U. Ou rien. Or, A-I-U, c'est le souffle, c'est le simple souffle, le souffle vital. A-I-U. Et quand vous allez voir ça, vous allez voir que A-I-U est une architecture. C'est un triangle. A-I-U. Ce n'est que le souffle. On appelle ça les voyelles, non? A-I-U. Tu ajoutes E, tu ajoutes O. C'est les voyelles. C'est le souffle pur. Pour canaliser ce souffle, vous avez les consonnes. B, D, etc., etc. Vous voulez savoir qui est qui. Allez dans son souffle vital et voyez comment il le module. C'est ça l'archéonomastique. Justement, on va expérimenter ça au cours de cette émission. François de Borgia, Marie et Vembe. Oui, je suis...
Ben non. C'est les autochtones de la ville de Kribi. Le banon, c'est le pluriel. Mais le singulier, c'est le non. Non. Écris-le avec N-O-H ou N-O simplement. Mais c'est le non, le singulier. Je vais le retrouver à 12 kilomètres de chez moi, chez mon cousin, qui est de Grand Batanga. Ça, vous connaissez le mot. À 12 kilomètres. Lui, il ne dit pas banon. Il dit banon, ko. Le H de non devient K, banon, ko. Quand je le laisse là-bas, je vais dans les Bamboutos, la ville de Mbunda. La famille autochtone de la ville de Mbunda, c'est les Banok. Banok, comme ceux qui sont à 12 km de la ville de Banon et qui parlent Bapuku, c'est-à-dire le dérivé Batanga. Mais c'est, les gens de Mbunda sont des Nok, les Banok. Pourquoi? Parce qu'ils sont des Nda. Bafunda, Bamenginda, Bakunda, etc., etc. C'est des Nda. Mais le Banon de Kribi, il est Batanga, Banda. Vous voyez? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Nous vous suivons attentivement, je vous en prie. Dans la Menoua, toute la Menoua, oui, c'est les Nok. C'est le Banok. Et quand vous dites Banok, chez les miens là, de haut plateau, vous voulez dire qu'il est noble. Il est noble. Un Nok, ou là-bas, c'est un noble. C'est pour ça qu'ils sont dans la Menoua. Menoua est une façon de dire Bonoua. Les Bonoua, c'est les Banok. C'est le Banok. Bon, ça c'était une parenthèse. L'archéonomastique. Avant qu'on y arrive, il y a des concepts que les Camerounais utilisent et qu'il faudrait davantage expliquer l'utilisation de ces mots. Il y a un terme, nous sommes de la communauté Ekan, par exemple, qui rassemblerait, selon ceux qui l'utilisent et qui se revendiquent d'être cette grande communauté, rassemblerait les autochtones, hein, entre guillemets, du centre, du sud et de l'est. Est-ce que dans vos recherches, vous retracez les mêmes origines et de quoi il s'agit concrètement? On va mettre la charrue avant les bœufs avec cette question. Je voulais vous donner un point de départ pour comprendre tout ça. Je vous ai parlé des voyelles et des consonnes. Les voyelles, c'est le souffle pur. Les consonnes sont la détérioration du souffle pur qui précise les contextes. Quand je dis Yahweh, ce ne sont que des voyelles. Yahweh. C'est banon, ça. Yahweh veut dire fais-nous, fabrique-nous, accouche-nous. Yahweh. Et quand on inverse, on dit waya. Waya, n'accouche pas. C'est encore des voyelles. Quand je dis Yahwa, réponds. Parle. C'est encore des voyelles. C'est le même mot. Et je prends les éléments de ce mot. Je peux les inverser comme je veux. C'est ce que j'ai appelé la loi de la combinatoire universelle du nommé dans l'archéonomastique. C'est la première loi. La combinatoire universelle du nommé. Tu prends une voyelle qui était à la fin, tu la mets au début ou tu la mets au milieu, tu fais un autre mot. Si tu y ajoutes une mélodie, c'est-à-dire un ton ou un son qui est tonal,
tu vas avoir des sons majeurs et des sons mineurs. On met simplement des traits. C'est la raison pour laquelle j'ai dit les langues tonales sont les premières langues de l'humanité parlante. Les langues tonales. Le même mot avec trois tons a trois sens différents. Ce sont les langues tonales. À partir des langues tonales, se sont constituées les langues agglutinantes et les langues cumulatives qui sont répandues dans le monde entier. Mais je vous disais, Yahweh, c'est le nom du Dieu, non? Tout à fait. Yahweh. C'est pas Yahweh. Yahweh. Mais c'est moi qui ai dit. Moi, bah non. Qui a dit ça? Yahweh. Fais-nous. Accouche-nous. Crée-nous. Les autres ont pris, ils ont dit que c'est le nom du Dieu. Je suis celui qui est chez les Juifs. Yahweh. Yahweh. Ah. Là encore, c'est mal dit. Il dit, je suis celui qui suis. Et ça, il nous tourne en bourrique. Parce que je suis celui qui suis. C'est en bas ça. Aïe, Haché, Aïe. Dans la Bible. Moïse aurait dit qu'il a dit que Aïe, Haché, Aïe. Mais quand on dit que Haché, c'est la prostitution de Aser. Parce que le juif ne sait pas dire Moïse, il dit Moshe. N'est-ce pas? Eux, ils utilisent le ch à la place de S. Alors, quand il dit Aïe, Haché, Aïe, ça veut dire aïe, assa, aïe. Et qui dit aïe? C'est le bassa. Troisième personne du singulier. Miye, ouye, aïe. Ah, Moïse est venu dire aux Juifs, le père là-bas en haut là, aïe, assa, aïe. Il parlait quoi? Il parle le bassa. C'est ça l'archéonomastique. Il faut chercher pour comprendre. Et lui s'appelait comment? Moïse, non? Mais c'est une déformation, c'est une prostitution de Mosé, n'est-ce pas? Moses. Oui, on dit, on ajoute S à la fin, mais c'est Mosé. Ou Mossi, ou Massa. C'est MS comme contexte. Hein? Ouais. Mais c'est AA. Le substrat, c'est AA. Pourquoi il est venu nous mentir? Pas lui. Ceux qui ont pris ce qu'il a dit, ils ont transformé. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, en manipulant le verbe, dominer. Je reviens au Bamileke. Je suis Banon. Le singulier de le mien, c'est un possessif, n'est-ce pas? Le mien, le singulier. En banon, c'est Wami. Wami. Le mien. Quand il s'agit d'un homme. Yami. La chose mienne. Quand il s'agit d'un objet. Mais le pluriel de Wami, c'est Bami. Monsieur, vous faites, suivez-moi bien. Le singulier du possessif, c'est Wami. Chez les Banons. Le pluriel, c'est Bami. Vous allez me dire, mais où est l'équel là? Je sais pas Bami l'équel. Non. C'est pas l'équel, c'est l'équel. C'est le verbe il est, c'est-à-dire surnager. Vous ne vous êtes pas noyé, vous avez surnagé. Les miens qui ont surnagé, parce que le verbe c'est ileke, bami ileke, c'est vous. C'est pour cela que
Il y a Batanga Banda là-bas, il y a Denda là-bas. Il y a les Banon là-bas, il y a les Banok là-bas. Je suis suzerain des Bami. Et vous savez là où je suis allé trouver ça quand je faisais mes recherches? Dites-nous. Dans le Burundi. Vous connaissez le pays qui s'appelle Burundi. Le roi du Burundi, c'est Mwami. On ajoute seulement le M, on met l'apostrophe. C'est-à-dire Wami. C'est le titre de roi chez les Burundais. Et c'est les nobles autour du roi qui sont les Bami. Là-bas au Burundi. C'est lundi. Et moi, quand je me conjugue, je dis na, ndi. Je suis. Et vous allez, partout où vous irez, en Afrique, trouver l'Ndi, vous aurez l'Enda. L'Enda, Ndi, les ancêtres premiers, ce qu'on appelle les Dak, le dernier ancêtre commun. En anglais, ça se dit the last universal common ancestor, Luka. C'est le Dak. Le Dak de toi, le Dak de moi, c'est Nda Ndi. In a nutshell, what you're explaining, it can be concluded from what you're explaining that not only all the different tribes in Cameroon are interconnected, but the African continent and even the world at large are interconnected in the spoken words that are either written differently or spoken differently, pronounced differently in different places. Is that? Quand vous prenez un DAC, appelons-le le TIN, T-I-N, vous renversez le TIN, c'est un TI. Un TI, vous allez le trouver chez les B, TI, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui disent un TI. Mais vous allez le trouver aussi chez les Tupuri. Parce que la, le patriarche autour duquel s'assemble le peuple, c'est le Jitin. Comme chez nous. Tin, c'est la racine, non? Tin, c'est la racine. C'est les Tupuri, c'est les Béti. Donc il y a un lien entre Tupuri et Béti, selon votre analyse? C'est la racine, la même racine. Et j'irai plus loin. Les Vikings, au nord de l'Europe, l'Assemblée nationale, c'est la diète, non? Chez les Polonais, là, la diète. La diète est la déformation de Dieti, qui est devenue la diète. Donc la même nature du rassemblement du peuple, comme chez les Tupuri, le Dieti. Et si vous voyez comment ils représentent leur premier dieu, leur grand dieu, c'est exactement comme ici chez les Yoruba. C'est le bonhomme qui mange les enfants à partir de pieds. C'est comme s'ils le dessinent. Non, je voudrais dire ceci. Vous allez comprendre. Bon, je vais d'abord, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, je crois. La plus grande religion, les religions, ce sont des académies. Parce que les vrais savants, moi je ne les appelle pas des savants, les connaissants, c'est les dieux. Ils maîtrisaient la cause des causes. La cause à partir de laquelle se crée l'échelle des causes. C'est l'essence de tous les sens. Ces gens-là, c'était les dieux. Quand vous allez... Vous voulez connaître la plus grande, la plus importante religion du monde. J'ai dit du monde. C'est le chef de Yoruba. Ife. C'est la religion d'Ife. Le culte d'Ife. C'était un empire. C'était une religion gouvernée par un Oni. Oni. Dans la religion d'Ife, vous avez le christianisme. Vous avez l'islam. Vous avez le védisme. Ici, chez vous, là,
au Nigeria, là, à côté. Là. La plus grande religion du monde est dedans. Les gens ne se sont jamais expliqué pourquoi, quand le pape est parti du Vatican, il arrive au Nigeria, il met le genou à terre, il baisse le sol. Les gens ne savaient pas. Parce que le christianisme est dedans. Le Dieu mort et ressuscité, qui est le Christ, n'est-ce pas, qu'on appelle, c'est Shango, non? Le Dieu Yoruba, c'est Shango. Mort et ressuscité. Et eux, ils vous donnent les détails de la mort et de machin de Shango. C'est le clone de Shango qu'on appelle Edju, qui a créé le bordel dans le monde. How can you prove that? Allez prendre contact, allez prendre contact. Laissez-moi Jérusalem. There is the grave of Jesus Christ. There is everything that you can still go there and see and trace out and even see some people who are ancestors or who are grandchildren of some people who witness everything that happened. Les Juifs sont qui? So, what reference are you using? Because I'm talking about what is written in the Bible. Juif? What reference are you using to say that? La Bible qu'utilisent les Hébreux, hein, les Juifs, c'est la Bible des Mayas, qui s'appelle le Popol Vuh. Quand vous aurez lu le Popol Vuh des Mayas, vous entrerez donc dans la genèse de la Bible des Juifs. The pastor will tell you the Bible contains the infallible word of God written by those that we know. The authors are known, inspired by God. So how then do you attribute it to something else? Il y a un monsieur, deux d'ailleurs. Ils sont les fils de rabbins. Et rabbin, c'est quoi? C'est le grand prêtre. Chez les Juifs. Chez les Juifs. C'est le grand prêtre. Ils sont fils de rabbins. Celui qui a écrit le dernier grand livre s'appelle Roger Sabat. Roger Sabat. Which book is that? Il a écrit un livre intitulé sur la page de couverture Les secrets de la Bible. Roger Sabat. Et Roger Sabat a voulu dédouaner les Juifs en faisant croire qu'ils sont des autochtones de l'Afrique. Ils ne sont pas des étrangers à l'Afrique. François de Borgia, Marie Evembe, pour sortir de cette émission, quel message adressez-vous aux différentes communautés qui constituent le Cameroun au moment où il y a ce repli identitaire, ce tribalisme? Quel message adressez-vous à ces différentes communautés, à ces Camerounais issus de ces communautés qui vous suivent ce soir? Je voudrais qu'ils sachent. Peut-être qu'il vous faudra encore une ou deux émissions pour aller dans les détails. Mais je voudrais que, aussi bien au Cameroun qu'en Afrique et ailleurs, qu'on sache que nous avons la même racine et la même souche, avec des troncs et des branches et des rameaux différents, mais qui partent tous ou toutes de la même racine. Le Mboum, tu le trouves Bassa, Bakoko, Bamoun, Banso. Le Mboum, tu le trouves Babouté, Vouté. Le Mboum. Le Nganha, dont le fameux empire de Ghana, tu enlèves le Ha, Nganha. On ne prononce pas le A, on est seulement Ghana. Le plus grand empire de tous les temps en Afrique, le Ghana, tu les trouves partout. Toute l'Afrique de l'Ouest, là, c'est les gars. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est les Gois. C'est toujours léger. Et le grec te dira que c'est la maman de la terre, c'est Gaïa. Hein? Gaïa, la déesse de la terre, dont le fils était le fameux Anté, le fameux dieu Anté, qui coupait les têtes à tout le monde pour faire des offrandes à sa mère, la terre. Mais Ante, c'est qui? C'est Tananarive. C'est les gens de Madagascar. Donc, vraiment,
Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le message que j'envoie aux gens, qu'ils soient Camerounais, Africains dans le continent ou à l'extérieur du continent, on a la même souche. Il y a la nouvelle, c'est parce qu'on n'a pas fait l'émission l'autre jour avec le régime de Palme que j'avais apporté. Le régime de Palme, c'est Ifé. Ça commence par être noir partout. Toutes les amandes là, c'est noir. C'est quand ça mûrit que ça prend le rouge, ça prend le jaune. Il n'y a pas de blanc. C'est quand vous allez casser, vous allez trouver le noyau, que vous allez gratter un peu le noyau, vous allez trouver que le blanc est dedans. Donc le blanc est le dernier de ce qu'on appelle l'humanité arc-en-ciel, qui est Ifé. Et tout est dedans. Je dis tout est dedans. Donc tout est parti du noir. Tout est parti du noir. C'est la primogéniture. Merci François de Borgie à Marie Evembe, écrivain, anthropologue. Merci d'avoir accepté pour cette troisième invitation dans l'émission La Vérité en Face. C'est moi qui vous remercie de me mettre des risques sur le dos. Je dis merci également à vous, Jonathan Babila et Duval Fangoua, d'avoir participé à cette émission. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toutes les équipes techniques conduites par Eric Ouattat et Emmanuel Wapi. Merci, mesdames, messieurs, de rester sur Equinox Télévision.